Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboïna Matongé et Zalaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir. Beau cadre, bel emplacement, bon prix. Et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, Mbotena Bino, Balandi Abosolo Télévision. Merci encore une fois pour la confiance. Nous sommes le 11 juillet 2023. On démarre cette émission avec un grand retard. Courant à Gombe, courant à Kinshasa. Ce n'est pas normal, mais l'essentiel est fait, nous sommes là. Merci Place Bozali, Bozo Landabiso, Bozali na commune à Kinshasa, na Barumbu, na Kimbantse, qui na 24 communes à capitale, na Pessibinombote. Mais évidemment, Bato, yo, Bazak, on a l'ambition na Ilebo, Bozo na Bukavu, Bozo l'ambition na Uvira, Bozo na Butembo, na Kisangani, Bozo l'ambition na Likasi, na Lubumbashi, Bato Bazan na Mganda Jika, na Mweneditu. Na Mbujimayi na Kananga, Mbote na Bino, Bozana Louisa, Bozana Diboko, na Pesi Bino Mbote, je pense également à un frère, Papa Chims, Chims Wetu, na Pesi Mbote Place Azali. Alors Bino Nyonso Place Azali, Basi Andunda, Basi Abipupula, Ba Policier, Ba Mama Ebilanga, na Pesi Bino Mbote Place Azali, Ba Teki Tombola, Mbote na Bino, Ba Mécanicien, Ba Jeune, Ba Chômeur, Ba Obazona na Biso, Ba Obazona Ba Cabine, partout Bisika Bozoami, Mbote na Bino, pour Nabolandia, bo solo télévision. Ba malade évidemment à l'hôpital parce que Moutoumou Epsenga à l'hôpital, Nazaraki alité quelque part, hospitalisé pendant un temps, mais la banda kolanda kaka bo solo. Ya honde koma ki loko la kolia nangaye. Ata nazo wa kolia te, bakomi koko sanga ka bo solo linge banda, liya baba tche la yo. Nasaraki ne sengo makas, bande kone so baza malade, bo espere ke nzambe akoki ko bik sabino. Tout est possible. Alors voici d'abord les informations du jour. Pour la première partie, on aura deux émissions. Les dossiers Kabound, je voulais tirer quand même les choses au clair. Kabound Aza toujours en prison, mais en même temps, Peter Kazadi, avec 910 partis politiques, ministre VPM, il y a l'intérieur, vice-ministre, a accueilli Kotika liste en ACUNI, alors des fois, ma candidature est bandit déjà, mais parti à Kabound, Bazali, Nakatia Kourseté. Non pas, peut-être pour Bango Balingi, t'es pour Balingi. Alors la grande question est celle de savoir, est-ce que Bazala a critère, est-ce que parti est Futaki, est-ce que Bazali en ordre, est-ce que Bazala a Mikanda, pourquoi les choses n'ont pas marché, est-ce que Zali Kambouyanko, des décisions politiques, on va laisser l'opportunité, n'a qu'un Kabound de pouvoir réagir et donner leur point de vue par rapport à cette question. Nous ne sommes pas liés à un individu, nous ne sommes pas liés à un camp politique, chacun est libre. Kozelangaina lobelabinote, yomogonde loba. Beaucoup de gens me posent la question, mais pourquoi zo lobate likambobonga la ro lobate yonde loba? Moi, je ne peux intervenir que na makambo ezana ba fait à société. Quand je vois que population a bungi, ou bien makambo ango ezo senga une décision, une implication des autorités, ezana clamer, je peux mettre un avis. Mais tout ce qu'il y a comme dossier, nous avons décidé d'inviter les personnes à titrer. Ba ya ko loba bango moko makambo na bango. À la limite, mettre un débat, partager les avis, ce qui est normal. Mais moi, je ne mettrai pas un point de vue pour ne pas influencer du retard à l'Obaki Boy. Je connais le contexte et l'environnement dans lequel nous vivons. Pourquoi l'Obaki Boy? C'est-à-dire Azamutabo. Pourquoi l'Obaki Tozo Monabo? Nous sommes tellement dans un monde où tout le monde est observé, comme Wemba le disait. Même les observateurs et même sont aussi observés quelque part. Alors, la moindre de choses à faire à un certain moment, il faut se taire. Donner l'opportunité na bato bazali à titre habilité y a opé sa point de vue avant. Voilà pourquoi nous allons recevoir ce matin monsieur Ghislain Mwanji Azali, porte-parole de l'Alliance pour le changement. C'est pour la troisième fois qu'il va intervenir à Bosolo. La première fois, pour petit rappel, c'était un débat, mais deuxième fois, il était passé ici quand Kabound fut arrêté tout au début. Alors aujourd'hui, il va nous donner l'évolution. Il y a Kabound par rapport à son arrestation.
où en sommes-nous avec son dossier, mais on parlera également de leur parti et des quelques points d'actualité de l'heure. Voici, messieurs et dames, les informations du jour. Le sénateur Matata Mponyo regrette que son collègue Bahati Lukwebu l'ait livré à la justice au lieu de les protéger. Matata tika biso na no kimia, pardon. Matata tika na no population kimia. Tango jeraka bukangalonzo matata obanda kotuna ba point de vue na bisote. O jeraka makambo bisote yibakate. Ozalaka innocent, ozalaka pour quelque chose, ba koselaka yo, ça ce n'est pas notre affaire mon frère matata. Akuna matata mon frère, vas-y là-bas. Mema Arsenal ya bavoka kende koyibisa bango koza innocent. Ba lettre nyo so pesa ki ab explication na monaki dernièrement au sala ki mo a mise au point moko sous forme d'une conférence des questions réponses sur la question de Bukangalonzo. J'avais aimé ça mon frère, tu avais bien défendu, mais so ba lobi ba défense wana kende kaka ba tuni onde tata na yo mama na yo kola wapi ba zo tuloka ba question ya carte électeur ba komi et puis makambo lo ba ki ba bandi ko komango na papier. C'est la moindre des choses. Ozo gérer yo moko lokola politicien, ça je m'adresse à tous les politiques. Ozo gérer yomoko, tu les gérer yomoko. Moto azala kite. 100 jours tu as géré seul, personne n'était là. Un tel projet tu gères seul, yomoko. Mais les jours où balingi bakanga yo, tous les jours où babengi okaka po babtu no kombo ya tata, kombo ya mama, otanga wapi, bon, ozala combien de kilos, bazo tout le monde ba question amike po kaka mukolo wana. Nde komi ote, komi acharnement, ba to akote na biso nous les ressortissants de kende koloba makambo yomoko. Et le courage de Kabundi là était invité, il était parti seul. Kende Koula, mon frère, parle. Parle, mon frère. Peut-être tu as raison, ma tata. Peut-être tu as raison. Allez-y, mon frère. Allez-y. Allez-y, mon frère. Prends courage, ma tata. Allez-y, mon frère. Moi, je te soutiens. Kende Koula, mon frère. Banda Koulouba, komo nonani, obotama wapi, tata nonani, kende Koula. Bako, tout n'oka ba question. Soki ba sili si, okozonga na ondako. Soki pe komi keba kangayo, okoye ba soke za lukutato ya solo. Kende mon frère, moi je t'en prie, au lieu de vous avez dit français, tout le temps vous communiqué à Matata, azo regretté Bahati. Et puis vous avez choqué. Une fois, vous avez Matata à l'obagi, azo commandé Bahati, azo livré, alors que ça pouvait pas. Donc, ma kambo est comme na yo ki Matata expliqué, tango, il y a Zara premier ministre, Matata Zara ministre. Il y a eu aussi des dérapages, mais il y a couvra kaye. Donc, on a amitié, mboko ezo koufa pour na makambo. Au moins, il y a un moto à Yibi, ton moto à Salimabe, mais na kombo ya famille politique. Jantiningo bilakta nga komi gouverneur na ebandeli yao. Babimisa dossier moko j'espère et cause ala 600 millions à moins que je me trompe. Ba nyongo ba kutia kimbuta tikaki. Tangu ka Jantini alobi ba sérieux na bazaino na famille a perdre. Tangu Jantini alobi ka na ebandeli. Ah! Baba niko landa Jantiningo bila tout ça non na za famille. Zomona c'est vrai koko baba 600 millions mais asande ko na isa tiki biloko sa komine sénateur tikaki kimbuta bovana na kimia. On n'en parle plus. 600 millions ou un montant exorbitant, balobe la rango li soussouté au nom y'a amitié moko, au nom d'une famille politique. Bon, tika go sakana na mboka na mudel wana. Bahati, so ki yo kouvera, couvert et pas y'a matata, et za grosse bêtise y'a matata. Mais, en contrepartie, bo sinyaka mikandate na Bahati ka bando protégé, tango yoko matour na yo, bo sinyaka mikandate, Bahati a changé na ye, oboko la kankosi a changé na ye, Bahati ne reconnaît plus. Alors mon frère, tika Bahati kimia, yo kene na justice banaka koloba. Ce qui va biaiser la procédure, attaquer ça par rapport à la justice. Yo zara premier ministre, il m'a rambo bien collègue Abisso Ming. Affaire kidnapping, je suis totalement satisfait de la manière dont le procès s'est déroulé. Ça, c'est les VPM de l'intérieur. Rejet des recommandations de l'opposition par la CENI, Martin Fayoulou s'exprime ce mercredi pour fixer l'opinion. Finalement, Fayoulou va s'expliquer parce que Fayoulou a l'obagi déjà kazwa qui va retrait naïe par rapport à Nenge et déroulement à processus électoral et Zalaki. Mais Atika qui quand même moins là, ce qui a coquipé Kosolola. Une belle occasion, Katumbi, représenté par son secrétaire général, Fayoulou, c'est ça, Ngamatata, Bakena, qui au Koutana. Bakoutani, Basololi, Basali, ba recommandation na Kadima, Mouzitu, pa Kendaki, na tourne naïe par l'obaki. Mais Lelo et Matata lobi, et nani, Fayoulou a l'obalo lobi mercredi. Il y a que deux possibilités pour Fayoulou. Soit, Fayoulou a ndimi, malgré ça, malgré, bah, préalable, nyonso, je vais aller aux élections. Soit, Atikali na position, na ya, l'obaki na bendani libela, et puis il va pas participer aux élections. Or, nani Fayoulou a l'obaki, azana hypothèse, y'a ko boycotter élection, te. Comment il va s'en sortir, on saura demain, parce qu'azana discours lobby, de Rolanda Fayoulou. T'ouais, bah, point de vue, na ye.
Mboussa Nyamoui, c'est Jean-Pierre Bemba, annoncé à Goma pour une rencontre avec Uhuru Kenyatta. Kinshasa, phénomène kidnapping, le gouvernement se penche plutôt sur la thèse des tueries par mutilation que du trafic d'organes. RDC accusé de s'immiscer dans la gestion des opérations électorales. Peter Kazadi rétorque que la CENI a agi par émotion. Vidéo Nangoku Tezali. Je sais que, précieux, tu peux prendre ça chez Joël. Il y a une vidéo pour ça. On peut prendre cette vidéo pour essayer d'appuyer ces communiqués. Justice Matata Mponyo attendu au parquet général près de la Cour constitutionnelle ce mercredi. Kasaï Oriental, le président de l'Assemblée provinciale, désavoué par ses collègues députés pour incompétence. Justice, désormais, les mandats d'amener sont prohibés les week-ends, dimanches et les jours fériés. Donc, pour généralement, les gens qui sont au parquet à partir du week-end, ils ont place pour Zonga, au Zonga Penzate. Ils sont au vendredi, au Kendete, mon frère. Pour ceux qui ont un problème, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont un vendredi, mon frère, ils ont un conseil à réfléchir. Tinda ta avocat à s'excuser. Pardon, mon frère. Kinshasa, les ministres de l'Intérieur annoncent des bouclages dans plusieurs quartiers pour mettre un terme à l'insécurité. Kinshasa, Ensemble pour la République, estime que Salomo Idi Kalunda est innocent et exige sa libération. Kale, les rescapés sollicitent être relocalisés près de leur village avant de quitter la RDC. Les nonces apostoliques, Monseigneur Balestrero salue une population résiliente. Avant-dernière information, la plénière de la CENI trouve illogique d'entreprendre un audit externe du fichier électoral. Kinshasa, pour boucler la note, les travailleurs des expatriés réclament l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Allez, Gislain Mwanji. On va parler avec lui. Bonjour et bienvenue, mon frère. Bonjour, Sango. Merci pour l'entretien à Moukola Lelo. Voilà, on a ces pélites depuis la dernière fois. Ça fera pratiquement 3-4 mois ou 5 mois depuis la dernière fois. Ah bon, Moukola Lelo, non, non. Oh, Balasuka, Oto, Oti, Ozala. Il n'y a pas plus de 2 mois. Non, 2 mois, ils ont mouqué. Les gars, moi, ils ont mouqué. Il y a un archive. Oui, 2 mois, ils ont mouqué. Il n'y a pas très longtemps, quand même, ton solo là qui. Ton bêta qui m'a solo, bon solo. Ouais, ouais. Voilà. Alors, la bengiso, Lelo, Sissoutolo, bon solo. Bosolo, par rapport, il y a deux points ali majeurs dans l'ingai vraiment tout le bela. Tout le monde français, mais là, il y a des dossiers très, très importants. Il y a des dossiers à Kabound par rapport à l'évolution. Depuis, il y a des dossiers à Kabound, et puis, il y a des partis politiques. Et puis, bon, ça peut être un point de vue par rapport à le processus électoral. Trois points majeurs, on va discuter. Alors, tout le monde, liste à CENI et BIMI. Liste à ministère intérieur, par rapport à parti politique, il y a des CENI. 910 partis politiques, Oyo, bah, Kitisi, bah, comment on a, on a mis ça, mais parti Nabino, Alliance pour le changement, où ils allaient parti cher, il y a Jean-Marc Abound, ils allaient secrétaire, et mon anité. Problème, ils allaient nini, bah, Congolais, bah, Zoyo Kayo, je pourrais intervenir à chaque fois dans une explication, si besoin qu'on relance ils allaient. Mais n'a rien à comprendre le problème, on a pas tout, mais qu'on éclairer, bah, tout, bah, Zola, Nabiso. Maton Domingue Sango, naye, les lots pour Bosolo et Bana. Radio News, bah, télévision News, bah, Mitouni, bah, Lobeli, même Bissomoko en tant que parti politique Alliance pour le changement, il y a honorable Jean-Marc Kabound Kabound, to Lobeli Yango, mais n'a qu'un ici rendez-vous, oh, y'a l'élo, n'a sango, n'a pas solo, y'a l'ipo, bah, imbo, kabaye, bah, bo solo, moi, et belé, n'a l'isolo, voilà. Et l'eau, quoi, l'iboso, et c'est n'est le peuple congolais, et y'a bah, tozali, n'a mboka, ou bah, bengi, état de droit, tozali, république, autolobi, république démocratique. État de droit, n'y'en koloba, koto sa mibeko, ko sa elobe mibeko, ko kamamboka bo mibeko lobi. République démocratique et lobi, ete, esengeli, bo kamami yamboka, esalama, kolandisama, mposa yaba imboka. Ko pona na bango, nengi ba pona ba kamina bango, nengi ni mpe ba pesa bango, et lo koni nesengeli bango ba sala ba kambarango. Et là, tout cela se fait autour ya oto bengi, système démocratique. Nakata système démocratique, tozaina ba parti politique. Tu es un acteur politique, tu es une personnalité politique, tu es un mouvement associatif, tu es un regroupement politique, tu es une plateforme politique. C'est-à-dire que l'espace politique, système politique, est allé fonctionner au départ, il y a un intervenant.
na ma matali parti politique sango liste oyo l'actuel vice premier ministre ministre intérieur ya gouvernement auto na ngona mboka na biso atini na CENI ezali liste moko esengeli bana mboka ba ezali anti démocratique ezali liste moko illégal hôpital kazada oyo atindi ezali illégal pe ezali entaché na ba irrégularité ebelé na kotalisa yango parce que na yende po na kolobela yango liste wana ezali anti démocratique po na nini eloka liboso ezali ko la kisa tentative ya exclusion ya lingoma politique alliance pour le changement parce que oyo lobby démocratie le lingue constitution pour la biso lobby yango na article 6 est consacré pluralisme politique na kati ya mboka Congo etalisi ete bana mboka Congo nyonso oyo bamoni ke bakoki ko mema makanisi na bango makasi na bango ya kokamba mboka na bango bakoki ko sala oyo babengi parti politique le pluralisme politique ezali consacré soki lobby tozala ki na UDPS mais to lobby ete UDPS akami mboka lo lenge oyo peuple azela kite UDPS amemi mboka lo lenge changement au peuple azela kite to lobby to ko sala alliance pour le changement c'est un droit démocratique mais elingi koloba ete bao batikali kuna pe bazala droit la bango démocratique ya kotikala na UDPS bao bazali na ba PPRD na ba PALU na ba parti nyonso bazali na droit ya kozala ba parti na bango selon choix na bango mais il y a un groupe de peuple congolais oyo ba décider ba lobby tolongo UDPS et longo na initiateur ya parti na biso président Jean-Marc Kabunda Kabunda peuple congolais ebili solo wana ko sangana na ba OP bazalaki na UDPS te ba yelo ko la ba fondateur na ba membre ba créer parti donc ba faire valoir parti le lengue parti ezali lelo elingi ko loba ke nous voulons participer au jeu démocratique alors lorsque il y a une liste de partis politiques qui est établie il y a motoko mana na kota la ba aspect ya légalité nango na régularité liste oyo sango et sengeli peuple congolais ba ke cette liste lokola et exclure ou et omettre parce que tolobi yango ezali omission mais nous avons jugé qu'ezali omission moko intentionnelle na régime oyo ezali liste antidémocratique régime azali ko talisa certainement acharnement naye d'abord contre l'honorable Jean-Marc Kabound et ensuite contre parti politique naye et régime oyo oba mesana koloba en face de nous il y a une opposition faible il y a une opposition incapable mais bazali ko talisa que le régime nenga na lobaka yango awa le régime plutôt c'est un régime peureux c'est un régime faible parce que un régime fort un régime qui n'a pas peur ne veut pas avoir peur d'un acteur politique oazali moko ya ba intervenant dans un système politique nena lobby un régime fort un parti politique au pouvoir ou même toute une coalition loko la union sacrée bakoki ko banga te parti alliance pour le changement honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda il faut ouvrir le jeu démocratique donc la liste tant que esali o babengi exclusion ou omission intentionnelle il y a parti alliance pour le changement esali une liste antidémocratique mais parti na biso sango esengeli bana mboka bayeba est-ce que to lobby tozali parti kaka biso moko parce que to sepela ki to sala ngo lo na lobby awa non nous nous sommes dit nous sommes des citoyens congolais nous devons respecter la loi du pays parti na biso lo na tangi article 6 ya constitution esali ko pesa biso na ningisa ya ko sala parti na compte ya pluralité politique totali pe ke article 101 ya constitution mboka na biso ezali ko talisa banani bakoki ko pesa ba candidat na maponami ba parti politique to ba regroupement politique to ba indépendant tandis que to yebi ete to sali parti po to mema contribution na biso na mboka oyo to mema changement ezali vision na biso o président Jean-Marc Kabunda memi nous nous sommes dit qu'on doit alors créer un parti politique mais na respect ya loi loi oyo ezali ko kamba parti politique na mboka na biso sango biso to respecter yango to sali parti na biso bo respecter mais bo ken yango wapi parce que au mona ki yo moko a clair que conseiller politique ya Peter Kazadia lobi clair baza contre binote mais dossier physique na bino oui sengela ki bo koti sa na niveau ya ministère intérieur bo tikala ko koti sango te bozolo bana munoko ki bo sali parti Bokomi ba français, bozala ba document c'est bon, mais ko kende ko tika dossier ba accusé réception. Elanda circuit administratif normal. Vous n'avez jamais demandé déposé votre dossier, le dossier est introuvable na circuit administratif. Sango na yo ki malamu yango moni ba lokuta wana olobi conseiller
Et là, quand ceux qui m'ont donné conseil à mon conseil, il faut y avoir le solo, vous allez le coutater. Et là, quand ils ceux qui ont le bilan coutater et singeli, au mon conseil, vous allez conseiller ministre, comme vous avez cité un certain conseiller que je ne connais pas. Le conseiller politique. Et singeli, il fallait s'assurer que mon collègue remise et reprise. Mon conseiller, VPM actuel intérieur, a zoa qui bat dossier nyon so oyo, VPM a selo tikaki. Et puis, à s'assurer qu'avant ça, la déclaration, on a, autrement dit, déclaration hasardeuse, que, à tout n'a qui solo, n'a service, il y a ministère, donc, la secrétaire générale, en charge de ma partie politique, ce qui a solo, notre dossier était introuvable. Mais, Zali, le kouta, Zali, donc, kouta, lisa que, soit, Azali, koye, bate, ou babengi, notion, la continuité de l'État. Parce que, ce qui veut PM, ou Azali, ce qu'on a kouta, gissima. Mais à l'époque, c'était toujours le ministère qui fonctionnait. Au nom, il y a continuité à l'État. Sango, et c'est là qu'il y a un dossier. Ceux qui vont y habiter, ils ont ignorance grave, ignorance grasse dans le poteau. Mais en même temps, ils ont commis tout. Est-ce que solo, ils ont dit loi, on a dit que Talisayo, Awa Sango, loi, donc, loi numéro 4/002 du 15 mars 2004, portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Pour nous, on a dit que Awa, que Parti Alliance pour le Changement, tout ça, il y a un respect, il y a un bébé. Tout le monde, tout ça, la partie, tout ça, il y a un moka. État de droit, il y a un camarade, il y a un bébé. Tout respecte, il y a un bébé. Il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Il y a un parti, il y a un statut, il y a un bébé. Il y a un règlement intérieur, il y a un organisé, il y a un bébé. Ce qui est là, il y a un bébé, il y a un bébé, pas notaire, pas notarié. Ce qui est là, il y a un notarié. Bakozope ba formulaire pour nous remplir ba identité y a ba membre fondateur na bango ba silici dossier nyo sowana ba soumettre yango na ministère ya intérieur à travers secrétariat général en charge de parti de relations avec les partis politiques parti nabiso alliance pour le changement a lengela ki kotosa mobeko to sala ki yango peut te déposer dossier wana tant on peut te déposer dossier wana secrétariat général ba étudier de Senabiso, ba lobi dossier Nabino Zali Malam. Pour preuve, to sala ki dépôt à dossier wana pour parti Alliance pour le changement to sali yango le 24 avril 2022. Alors, l'état tolenge la, ko notarié ba statut, ko zo ba identité nyo sa ba fondateur, ko kokisa makamo manso le lenge mibe ko singeli, to ko ko mati le 14 juin 2022, nde ba fondateur Nabiso, ba zui misato na kati na bango. Ba pesi bango mandat, bango ne ba kei ko s'assure na procédure ya enregistrement. Et na procédure wana, to depose dossier, secrétariat général en charge de relations avec les partis politiques, ya ministère ya intérieur, ayo ko benga biso, si momo mikolomi ba le misatu. Alobi, na maema somatali, ko lenge la mobe ko na mikanda na bino, isa notarié, ba identité ya ba fondateur, tout est ok. Mais il y a cependant un seul petit problème. Ils ont un problème lié à la sigle, il y a parti Nabiso. Au moins, le parti va bien y avoir un combo Alliance pour le changement. Tout chaque sigle Nabiso, AC. Né, secrétaire, j'ai pas vu Nabiso que, na, où est-elle, ma parti politique, ma combo, et qu'on qu'on canate, ma sigle P, et qu'on 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 canate. C'est qui est parce qu'il faut te distinguer à Rabino. Wow. Alors, Bino va changer sigle pour sigle Moussou Soubassi Bassalela qui AC Oyo, par un parti dénommé Action pour le changement. Donc, nous étions butés devant cette remarque-là. Tozonga ki lombango, teko sala o babengi un addendum, un document additionnel qu'on a encore notarié et amené na secrétariat général pour la changer, te corriger, te corriger. Là, quand tu changes sigle, tu changes sigle et l'ongwe AC et commis AC na H minuscule. Yango mona rasoko moni ba komi alliance pour le changement komi AC na H minuscule. C'était ça l'unique interaction pour na besoin ya conformité oyo ba membre na biso fondateur ba zoaki na secrétariat général. Vous avez un exemple ba document nyoso bo notariat qui était oyo na oyo bo sali moi à Vena. Oui, ba document nyoso wana ezali même addendum ezali et loko ali boso na ko pesa yo na zoa o ezali document moko très capital note technique. Sokotali notre technique wana et outi na ministère ya intérieur. On va komi wana ministère de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Secrétariat général aux relations avec les partis politiques. Sango. Document oyo ezali ya depuis le 28 juin 2022.
Loko la yango notre technique. Oko fongo la yango. Pona kota la ete, makamo na lobi ezali lokota to solo. Parce que ezali signé, hein? C'est un document authentique. Ezali signé par le secrétaire général à l'époque, Monsieur Boniface Okende Bongé. Le 28 juin, notre technique Oyo, na point 3, nango, soko balisi na sima. Bakomi awa. Non, je peux le lire. Hein? Oui, voilà. Ça ne dérange pas, Boza. Voilà. Il faut pas aller au Bamakambo, Kayemou, Azomon, Nangan, Azomonate. Donc, si on a peine à mon, il n'a qu'au kipé gotang. Voilà. Troisième point. Tiré à Libosu Ezali. Mm. La formation politique a déposé sa demande d'enregistrement, à savoir, deux points. Mm-hmm. La demande d'enregistrement de la formation politique dénommée Alliance pour le changement en sigle ACH minuscule a été introduite en date du 14 juin 2022 au cabinet de votre excellence. Après examen du dossier, il s'avère qu'il est conforme à la loi précitée. De tout ce qui précède, je soumets à la signature, à votre haute autorité, le projet d'arrêté d'enregistrement de cette formation politique. Votre décision m'obligerait, très haute considération faite à Kinshasa le 28 juin 2022, je cite Boniface Okende Bongé. Merci beaucoup. Merci. Le rôle à la Zomona, tu tamboli pour la spéculité, tu tamboli pour la rotali sabosolo, parce que c'est une émission, il y a une investigation. Ça vous permet que Naonio Soboyokaki, Boza n'a pas preuve tangible que ce que nous disons. On pourra aussi interroger les bureaux de Peter Kazadi pour avoir l'air de son. Parce que déjà, secrétaire général, Wana, à l'obazana, du conseiller, au Tanga, Batikali, comment la dossier était. Mais dossier, il y a Rolo Bamoni, on était Nengenini. À moins qu'on l'a ignoré à nos amis. Si, maintenant que nous avons le document à notre possession, laissez-nous aussi le temps de pouvoir vérifier. Donc, confronter, vérification à Liboso. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vérification à Liboso, batala quand on a document. Ces documents portent l'accusé de réception. Le 28 juin 2022, à 14h, cabinet à ministre. À l'époque, c'était le ministre Asselo. Vous voulez vérifier quoi encore? Non, mais c'est, écoutez, il faut maintenant vérifier au cabinet de l'actuel VFM, l'air demandé. L'air Bossala qui remise et reprise. Est-ce que Boyebi notion en continuité de l'état T? Dossier Oyo. Babungi si on a prédécesseur Nayo Daniel Asselo. Toyo Mutofandeliango. Non, moi, je poserai. C'est la question qu'il faut poser. Non, je poserai pas la question de cette manière. Non, mais. Voici comment on va procéder. Voilà. Vous nous avez donné un document ici. Namoni Ango Ezali, na signature. Nako rejeté Angote, mais je mets en réserve parce que l'authenticité, on peut toujours prouver Ango. Au nom, il y a ministère avec tout une signature, il y a malam. En tête, pèse à ministère intérieur. Et ça, il est parti à Kabundote. Ça, c'est d'abord quelque chose de bien. Alors, ce qu'il faudra faire, conseiller politique à Lobi, Ango, sur base de quel principe? C'est un hasardeur. Exactement, c'est ce que je dis. Laissez-nous poser en direct, mais en même temps adresser un courrier, juste pour vérifier si c'est une erreur, pourquoi ils n'ont pas corrigé cette erreur. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. On comprendra s'il y a des intentions politiques, c'est fait à dessein, ou carrément, c'était une erreur qu'il fallait corriger, mais peut-être pour des pesanteurs politiques, ils ne l'ont pas fait. Donc, on mènera quand même une petite démarche pour tirer les choses au clair. Mais déjà, ce que je vois ici comme document, les partis est enregistré depuis 2022. Les gens babilo ko tokolo baté parce que tomeli maito tomeli tété. Ah ou à partir zali enregistré. Alors c'est inadmissible partir zala enregistré et que na principe il y a continuité lorsqu'il y a remise et reprise parti et bunga et mon analyse soutenu. Vous avez la parole. Alors pour continuer na on a lobagi sango. Au moins il a point 3 on a notre technique. Donc au moins il balobi. L'enregistrement, donc le dossier du parti, il s'avère que il est conforme à la loi précitée, donc la loi que j'ai évoquée, la loi numéro 4/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement de partis politiques. Toke na wana, parce que lorsque Tomoni liste wana, nasi na lobaki yango, ils ont une liste moko antidémocratique, illégale et entachée des irrégularités. Voilà selon eux. Voilà selon analyse vraie, n'a qu'à démontrer. Il faut donner. Déjà, le fait que parti n'a vu Ezali omis, c'est déjà une preuve. Il y a Ezali antidémocratique. C'est une preuve parce que c'est une exclusion d'une formation politique légalement constituée et régulièrement enregistrée. Est-ce que ce n'était pas une erreur matérielle? Ce que nous avons pu dire, parce que Totena qui point de presse, Kalaminita le 4 juillet, la secrétaire générale Nabiso Beli Moutonou, Tolobi Boye, pour Nabiso en tant que politique, d'un politique, comme une tentative d'exclusion, une omission intentionnelle.
Mais lorsque nous voulons cadrer les choses au bon sens, tozui juste milieu, to komeli l'actuel VPM ya intérieur courrier parce que yemu tatini lista wana to komeli un bon citoyen courrier moko pona ko talisa bango omission ya parti na biso alors que nous sommes enregistrés na courrier wana to adresser la VPM ya intérieur to tché na annexe toutes les preuves ya ba document ya parti na biso parmi les preuves wana note de perception après tant on va valider dossier na biso na ministère ya na secrétariat général ma perception qu'on note de perception toi qui ne copes ça misolo na compte ya l'état bon fouti combien te fouta $10,000 copie ya note de perception ezapé wana na banque na ro banque na compte trésor public bozanango copie ezali a ba collection na régie na pesa ki copie note de perception ezali te fouti $10,000 pour na partie na biso en dehors ya $10,000 wana te dépenser au minimum $5,000 na ba démarche administrative. Au moins, pour n'a créer parti Oyo, le parti Alliance pour le Changement a dépassé $15,000 maximum. À part notre y'a perception, n'a preuve y'a paiement, to annexer les sous-sous, nani, copie Oyo, y'a notre technique Oyo, y'a ministère Oyo, to salarié diligence, tozoa. Et puis, n'a copie Oyo, je vais vous informer qu'il y avait déjà en annexe un projet d'arrêté, néanmoins, secrétaire général à Komaga Lobby, de tout ce qui précède, je soumets à la signature de votre autorité, le projet d'arrêté d'enregistrement de cette formation politique. Donc, à l'annexe, il y a notre technique Oyo, il y avait un projet d'arrêté d'enregistrement. Pourquoi projet Wana? Parce que secrétariat général, il y a ministère, Ayebaki Koling et la Mibeko, ils ont respecté la procédure telle que nous l'avons respectée en amont, ils l'ont respectée en aval. Pour Nanini, parce que loi, on a l'objet, loi est ma partie politique, et l'objet, on a l'article 14. Dans le délai de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans le cas contraire, il invite le membre fondateur du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour le membre fondateur de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de rejet dûment motivé pour non-conformité à la loi. Le ministre peut, s'il est à l'expiration du délai de 30 jours ouvrable après le dépôt, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récépissé des dépôts tient lié d'enregistrement. Tu vois, on va pas amener pour tous les émissions à Sango. Où est-ce que la loi? Il y a un parti politique à Mokanabiso. Et l'ingi kolobani misango. Moka oyo balobi état de droit et kamamara la mibeko. Illégalité à Liboso à liste wana. Ba on mettre parti na biso alors que nous sommes dans la légalité. Illégalité au ministère y a intérieur. À consommer. Depuis enregistrement na biso. 30 jours après, ministère a contacté dans l'illégalité. Ah, la loi a tangé lobby 15 jours, ceux qui te côté ici. C'est ministère, à travers le secrétariat général, il y a ma partie politique. Bah, quand t'as un dossier, ça conforme à la loi. Mais t'as aussi un autre technique, déjà, le dossier, ça conforme à la loi. Ou alors, t'as aussi sauté, t'as le quai étape ou alors. Non, ouais, ça n'a qu'il concerne à toi changer sigle. T'as changé sigle, t'as s'adapté à la loi. Secrétariat général, bah, moni, bah, lobby, t'as allé conforme à la loi. Bah, établir une autre technique, bah, dans les délais. Du 14 juin, au 28 juin, il y a notre technique, ça veut dire 14 jours après. Ça veut dire que dans le 14 jours, dans deux semaines, le secrétariat général avait fini son travail dans le respect de la loi parce qu'il m'a passé 15 jours dans la loi. Parce que le ministre, la loi est passée après 15 jours. Il fallait que le ministre Azanini arrête. Mais au commun, on a que dépassé le délai de 15 jours. À l'époque, il y a le ministre Asselo, avec le régime en place, Boya qui a signé, arrêté pour la partie Nabisso. Ça frise qu'il y avait certaines pesanteurs politiques. Parce que je ne peux pas comprendre que M. Asselo, intellectuel de surcroît, qui était à la tête de ses ministères, qui était là pour servir la République et observer les lois, s'est donné le luxe de violer la loi. Yakobo et Yakozo arrêté, alors que le secrétaire général a pensé que Maramignon se complète. Tolongo Wana, tu es content la Siko Bisso, pour le lobby de Bisso, toujours fonctionner. Nous, la loi nous a déjà dit, dépasser les délais de 30 jours, le parti est légal. Et le récépissé d'enregistrement, tient lié. Qu'est-ce que vous attendez qu'on vous a fait pas? Maman Ndunda Zolanda. Oui.
bo futi mbongo na bino, bo zui pe preuve ya go futa mbongo. Ba démarche administratif, ezo senga papier te wane, za ba mbongo ki nara na moulili, za la batu msou ba ila ango minene, wana tolo bate. Bon. Quelle était l'étape suivante après avoir kofout un bon na banque? Il fallait bozoa nini la part ya ministère au bozoa gâté. Après kofout un bon na banque, tozu d'abord preuve ya paiement la biso na banque. Omoni ministère azu mon on a ni secrétaire général ba moni preuve wana ba pesi ba acquiser réception à demande na biso après biso récépissé. Ne otozu ya liboso. Yami balé esengeli sikoyo ministère Bato Samobeko, pour ma paix Sabiso, arrêté portant enregistrement à partir d'Abiso. Voilà, il fallait que tout soit. Parce que tout ça y est déjà procédure. Marabozo le visa depuis Asselo. Et Ali depuis ministre Asselo. 28 juin 2022. Parti, il y a honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, Alliance pour le changement. Et Silisaki Makamounion, so Esengi Mobeko Yamboka, pe tout ça qui yango, pe futaki, misolo Esengelaki, bazoa arrêté. Mais même ceux qui, y a ministre Asselo, appelle ça qui a arrêté, te, loi et lobby à Waka, à ta ma paix arrêté, t'es sorti toleki, 30 jours, parti et comme que fonctionnait des droits. Y'a un moment où qui limitait 11e rue, au talent d'un gamba boulevard, au commun à panneau à mouner une alliance pour le changement, namir tokomi demain soit meilleur, parce que, tous les n'a droit à fonctionner, le rôle la partie politique. Y'a un moment où tamboli bituka et belé yambo kanabiso, au tamboli ma province, ma ville, au commun à que parti nabiso, à la ligue affichée, paix à la ligue qu'on fonctionnait. Alors, pourquoi c'est l'eau? Après ça qui vient arrêter. Na lobi yango awa même parce que na ba na ko luka luka na bino ko yoka yoka. Pourquoi c'est l'après ça qui vient? Tolandeli marmebele sango. Toi ba politicien. Ouais. Donc biso toza toza ba évangéliste te toza pe ba te ki ma bendete. Toi ba politicien, tolandela ki yango, ninga to ba yango chaque fois au nom ya parti na ngai, na to ralilo ba comporte parole pour dénoncer le bosso acharnement politique, il y a pouvoir en place. Contre l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, initiateur n'a présent à partir d'Abisso, et l'aura mis balé, n'a zoko talisa, acharnement politique, même n'a pas journal n'y a bossolo awa, plusieurs fois n'a zali ko dénoncé, le lengeni n'a zali ko démontrer acharnement n'a parti d'Abisso Alliance pour le changement, bazan ko attaqué Abisso physiquement, on ne peut pas parler et être à l'aise, on ne peut pas coopérer, on ne peut pas faire des manifestations. Nous nous demandons, sommes-nous dans un état démocratique? Sommes-nous effectivement dans un état de droit? Mais souvent dans l'obaka, état de droit au tozali nango ezali donc ko subir négation état de droit toujours loba namunoko mais nakoto samibeko le ministre ya gouvernement o bazo ko sakola état de droit bazala incapable ministre asel azalaki o pe akotisika continuité à l'état soki lokola ya azali juriste neti babiso awa lokola soka kutaki likambo oyo il devrait régulariser ce sont des arriérés c'est le passif de son prédécesseur mais l'État veille. L'État ne reste pas à l'époque d'Asselo. Même à l'époque de l'actuel VPM, et Sengela qui respecte la loi étalée. Ça m'a confirmé l'état de droit. On va parler du danger ou les conséquences qui en découlent. L'interprétation de l'article, c'est noir sur blanc. Après 30 jours, ce qui va pécier arrêter, était parti et banni quoi agir. Parti et commis opérationnel à quoi opposer, bah, acte n'étendit à territoire et à pays. Il n'y a pas le caractère infractionnel parce qu'ils allient texte. Effectivement. Ça, c'est clair. Alors, Kazadi Peter, VPM d'intérieur, a qui est au Sikoyo, liste, dans le niveau de la CENI, il y a un parti politique. Autant qu'il y a un article là, qui prévoit aussi la loi, tant que le lobby parti à cause de la libre et à cause de vrai, le parti à cause de la à mesure et à cause de déposer ma candidature sans passer par Peter. Dès le lobby, oui. Yé asali oezali charge na ye un ministre malgré que ministère wana et buki mibeko et boy ko sala charge na yango ya ko pesa biso arrêté mais na charge wana sala sala wana meba po il fallait qu'a corriger après ça biso arrêté il fallait pe na liste wana parti na biso izala toute spécie présomption d'ignorance kayebaki te que parti ezali ko exister to présumé kayebaki te il ignorait le fait il ignorait notre dossier comme le prétend certains de ses collaborateurs yango to komelié je pense que la régie a bossali recours oui nous avons adressé le recours préalable parce que au moins en matière administrative avant de tirer la conclusion avant que ne même la justice ils ont tombé dans un recours préalable bo komena nous aux administrations concernées. Tokomé le chef d'administration wana, wazali VPM ya intérieur. Tokomé lié. Il y a une lettre que j'ai donnée à la régie avec acquise pour réception. Nous avons adressé au VPM Kazadi. Ça date de quand? Si je ne m'abuse, bah,
Le 2. Le 2 juillet ou le 3 juillet. Le total est 11. Oui. L'administration devrait déjà répondre. Oui, oui. Tout donc, au plus 48 heures. Oui, mais. S'il y a trop, c'est 72 heures. À présent, je vais vous dire une chose. Non, ne va répondre. Ma bengi pété. Mais nazo kotali ça va la mouka ba yoka bo solo. Parce que cette liste-là, n'enge katibiso. Et n'y goloba kea violation de la loi. Tozoa ki ibiso le rôle erreur administrative, erreur matérielle. To komeli. Vepem y a intérêt à corriger. Ango parce que c'est les devoirs na yamobeko. To sali devoir na biso. Peut faire valoir ma droit nabisso pour à corriger. Alors, il s'est fait que il y a des forums, hein, il y a ma formation politique, l'État congolais, na ma partenaire, ma ONG internationaux, communauté internationale, ou les qui ont organisé dernièrement ma bengi forum des parties prenantes du processus électoral. Ils ont organisé na NDA, ils ont qui a un appartement hôtel, ba composante union sur bazalaki, opposition pouvoir. Bah, déshydraté, ben, les pésamélaki. Notamment, oh, ils allient, bah, préalable, il y a opposition par rapport, il y a processus électoral. Mais, délégation d'Abisso. Et, tombe là, qui les sous plaidoyer, pour n'alikambo, oh, il y a omission à partir d'Abisso. Ça, je l'ai dit, en toute certitude. Les collaborateurs, ou bien, la délégation du ministère de l'Intérieur, avait allégué le fait que le parti du président Jean-Marc, le dossier, ils allient dans le cabinet à ministre à Kazadité. Ou en a cabinet à ministre. Mais, secrétariat général, bah, là, qui, ou en a habité, papa. Tout le monde est ici, notre technique est pas nabiso. Tu as vu que ça, la macamounio sont awate. Boya na bureau nabiso lobby. Chizé. Comme ça, total la macamounio sont sur les alliés corrects. Notre délégation, nous sommes allés dans le cabinet secrétaire général actuel. Il y a ministre, il y a le ministère intérieur. L'actuel secrétaire général à Mbibiso a certifié macamounio à lobby. Vous êtes authentique. Nous avons fait notre part. Nous avons transmis le dossier. La crise de réception est là, au ministère. Nous allons quand même faire diligence pour que le ministère régularise. Ça veut dire que, na minute oyo, depuis le week-end passé, ils arrivent vendredi passé, de Tokutana qui est secrétaire général en charge des relations avec le parti politique, nous nous sommes convenus que, au cas où c'était une erreur matérielle, une omission, donc, involontaire, comme ça, ils allaient rectifier. Parce que pour nous, c'est toujours difficile à comprendre que, à Selo, à Signagité, Toromina Kazadi a signé T. Alors que deux ministres, ça va se succéder, mais tous consomment une forfaiture, une violation de la loi, ça frise quand même des pesanteurs politiques. Là, nous avons le droit de nous inquiéter pour ça. Mais, le rôle de la liste, wana, j'ai évoqué ici l'illégalité de cette liste-là. Bah, acteur politique, bah, opérateur politique, bah, parti politique, bah, la liste que le VPM de l'intérieur a transmise à la CENI est une liste illégale et irrégulière. Pourquoi illégale? Voilà. La première illégalité est que liste à ma parti politique, loi et lobby, on a autant à loi, comme ça, on a soulevé à Bangamoko. Pour autoriser, ngaye, loi électorale, il y a un mot cannabis, tel que modifié dans mon colo à l'élo. Avant tout, article 12. Le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions transmet à la commission électorale nationale indépendante une liste des partis politiques éligibles au scrutin. Publié au journal officiel et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour les regroupements politiques. Merci. Eli Kolobaboye. Liste, il y a ma parti politique. Oye, Sengeli ministre Kazadi, a-t-il de la CENI, pour la légale, et Sengeli et toi, Samobe Gone, et lobby. Et l'on Liboso. A quoi publier dans nos listes, on a retiré la sénité. N'est-ce pas, Saliwana? C'est, il y a vice de procédure. A quoi retiré la sénité? A quoi retiré la na journal officiel? Journal officiel, a quoi publier, a quoi afficher, comme ça, puisque c'est un parti politique, n'est-ce pas, tu n'as pas mis belandé dans le journal officiel. Même omission, il fallait que tu aies belango dans le journal officiel. Comme ça, on allait faire des recours et le journal officiel, et pourtant, donc, ainsi de suite, il y aurait, réparation. Mais la liste du VPM actuel a quitté du cabinet du ministre à la CENI. Parce que, vous le savez, sur le journal officiel a affiché qui? Même yo, le journal officiel n'a pas affiché, n'a pas publié, cette liste n'était pas envoyée avant. C'est-à-dire que, vice des procédures, les alliés wana. Tokena wana. Balobi, au plus tard, 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures pour la partie politique. C'est-à-dire que, pour battre une liste, il y a un parti politique.
Attaque au basu, moi, mon colo, moi, Mickey. Hein, t'auras, le banan, on ne peut pas être trop strict, trop sévère. D'accord. Prenons le casou. Mais cette liste-là transmise, bon, dans ma pronomie, et Sengeli et Zouaobé, bah, parti politique, au le bazar déjà existant 12 mois avant ouverture à ma bureau, d'enregistrer ma candidature. N'habitez ceux qui toujours à la sango. Je comprends. Et l'ingi colo, bah, que, bah, parti, oh, tomoni, na liste, il y avait pas, mais à intérieur, oh, yo. Nous sommes allés créer dans décembre 2022, dans novembre. Si nous sommes partis, il y a signé arrêté dans le 15, le 20 juin. Avant, si nous sommes allés partir, nous sommes allés partir dans la liste. C'est de la tricherie. On ne peut pas compétir aux élections avec des partis politiques à peine créés pour les besoins électoraux. Et en violant l'article 12 de la loi électorale. Donc, nous allons déjà en tant qu'opposition. Nous revendication est belée. Autre chose, vis-à-vis du pouvoir en place, n'en est organisé ma pronomie. Processus d'enrôlement, carte d'électeur mauvaise qualité, révision de fichier électoral, beaucoup de choses. Mais nous en arrivons encore à une violation de la loi électorale, n'a même pas une liste à ma parti politique, et en plus, à une tricherie pour faire participer aux élections de partis politiques à peine créés. N'en ai l'exemple sans. Quels sont les partis politiques? On va prendre une pause parce qu'il nous reste que 15 minutes pour terminer. Voilà. On a déjà pris 45 minutes. N'en ai l'exemple, Morotala. Parti Moko, ils allaient créer le 10 juin 2023. Alliance des Congolais pour le développement social, ACBS. Dans ce livre, publicité, mais pas Miyoka. Bah, va créer Natawana. Parti Moussous, ils allaient créer le 14 mars 2023. Alliance citoyenne pour le bien-être du peuple, ACBEP. Parti Moussous, ils sont le 10 juin, ils sont. Alliance des Congolais pour intégrer la République, pour l'intégrité de la République, ACIR. Parti Moussousou, le 2 mai 2023. Dans le temps, c'est de la publicité gratuite. Moussousou, le 2 mai 2023. Plusieurs partis, une centaine de partis. Oui, hein, créé en 2023. Une pléthore de partis. Sango, ça frise la tricherie au processus électoral. Ces partis n'étaient pas enregistrés. Une année avant l'ouverture des bureaux d'enregistrement des candidatures. Donc, l'actuel VPM ne peut pas se prétendre que cette liste soit légale, régulière ou carrément sans tricherie. C'est une liste qui nous a exclus illégalement, on a démontré en gros. C'est une liste qui triche avec des partis politiques et des regroupements politiques qu'il faut rouiller bas. Loi et lobby pour répondre à un regroupement. Pour le regroupement, loi et lobby, il faut être un regroupement au moins 3 mois. Il s'en a mis au moins 3 mois avant l'ouverture de la BRTC, bureau à réception, notre traitement à candidature. Donc, le regroupement, il faut créer une semaine, 2 semaines avant, ils ne peuvent pas. Je dirais sur cette liste. Quel est le danger? À moins qu'il y ait des avenants politiques. Quel est le danger derrière cette liste? Le premier danger, d'abord, c'est l'illégalité, l'irrégularité, la tricherie. On ne peut pas tricher, c'est la loi. Donc il y a des intentions cachées derrière. De konanga isang on a reçu ça au boye, bah tout basali mbeko ba yebi nengela tel obaka. Nemo kensu tour news ignorare. Nul n'est censé ignorer la loi. Et quand on ajoute, on dit dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure. La loi est stricte. La loi fixe le temps. C'est la loi, Sango. Et Sengeli, l'actuel VPM, qui est un juriste au départ, a observé scrupuleusement loi électorale, tout comme loi sur les partis politiques. Allez, on va revenir pour la deuxième partie avant de terminer. Il nous reste 14 minutes avant d'avoir la deuxième émission. La deuxième question est celle de savoir où en sommes-nous avec Kabound, Tshisekedi Félix, président de la République, dans une émission avec Tina Salama, Akati Lai, Nami Swanzam. Nanou a intervenu dans le dossier mon côté de près ou de loin. Oh, il y a Zolo Babati Kamututu Bakanga, chef de l'État, bina Kumbwa Nzambi Zey, à côté la quantité. Est-ce que c'est le cas avec Kabound? Est-ce que c'est le cas avec les autres? Le chef, ce qu'il a dit est vrai? Ou bien, Bango Bazana, Nenge Moussou Bazo, ça la lecture, ils vont donner leur point de vue. Bango Kote la Moutezalite, Tika Moutalo Bamakambo Azanango. En image, on va prendre, s'il vous plaît, on va revenir. Ne vous en faites pas. Nous avons le temps, vous allez revenir pour parler. Nous courons derrière le temps. L'Alliance pour les changements, parti cher à Jean-Marc Kabound, réaffirme et confirme sa participation aux élections prévues en 2023. Une déclaration faite au cours d'un point de presse animé par son secrétaire général. On posera la question, parce que nous voudrions savoir ici, alors que parti na Bango Bazo Zela, réponse, il y a recours au Sengaki, jusque-là, va répondre Bango Nanouté. S'il s'avère qu'il va répondre Bango Té, quelle sera l'attitude, la dernière décision du parti? Bago Kende, na regroupement, Bago Kota dans un autre parti politique, ne serait-ce que pour Bazo ba député, ou bien Bago participer T
ou bien bako lobakaka mais bako zala forcé d'être en dehors. Scénario Ninigoya, il va nous donner des réponses précises tout à l'heure. La population du district de Mouamba préfère traverser les boulevards Lumumba en bas. Biloko na lobi angona lembi. Na on a mon la peuple ya boité. Ya wana ibisak bino mboka ou eza bien mais batunde bazamabe. Congo est l'équipe France, Congo est l'équipe États-Unis, Congo est l'équipe Allemagne, l'équipe Congo Brazza, Congo est l'équipe Angola, l'équipe Rwanda, mais batu, azo bo mambogo eza batu, batu lingolo baka ba kondite, je parle moutou en général, yona ngai to bo mamboko. Ale a Kingasani, batali balobite, lokola basali boulevard mounene, bakside eza minene, eza mingi a répétition. Tout mes gars, quand même, moi, bas séparateur, peut permettre, bateau, baso, kende, urgemment, baso, bande, zalikolo, et saut de moto, et l'inko, ba, bande, wana, ba, télémakate, il faut qu'on kende, kaka, wana, les abandes, à côté, les matins, les alors, là, ba, one way, n'est-ce pas, n'a pas, mais, bando, moussou, ba, tchèque, auto, ne, bando, le bateau, ba, le bagade, serré, déposé, Kingasan, zoabango, ba, on va tchèque, ba, on peut bande, na, ba, mais ce que nous voyons au Congo, mboke za bien me batunde ba mabe. Mutazo uta nandaku na ena kiti. Muta uti nandaku na ena kiti. Ache kiti po asote. Likolo ya separatere. Batumusuba yetu batumi bale bazo benda na ache muningane na mapeka. Yo kende. Yo po kosima nganga na kumata. Me alo, en même temps bache li bangope, ma pasere likolo. Oe bimisa mbongo na mboka. Un problème de culture. Mboke za bien me batu. Ne baza mabe. Remorque, ezo matalikolo ya son moto. Moto ba pekisi mezo matalikolo ya son moto. Mboke za bien me batu. Batu. Premier rue awa. Boza la premier rue batu. Basa la arena bango. Bota la constat la Kinshasa. Ba sorti nyonso. Ba courbure nyonso. Soit wenze ezali. Soit arrêt ya moto ezali. Soit arrêt de bus ezali. Mais mboko yo nazo yu bate. Mboke za bien me batu. Batu kaka ne baza mabi. Mboke za na wana pwomite. Miibi batu. Corruption bat. Injustice, tu sais que la lélia wa, bilan est négatif côté à justice. Et ça ka bat. Batou nde baza mabe bat. Kidnapper moutou. TikTokez moutou. Batou lokouta moutou. Tileje le baby pona bat. 100 jours, les gens qui ont problème pona bat. Mboke za bien me bat. 5 chantiers, et beba pona bat. Mboke za la problème de me moutou. Moutou ki moutou. Moutou. Ba chéri binon zela malam ou boko katisa wate, ba tou babandi ba français, ba boi na bango li kolo, 15 personnes ba zo katisa. Na bamboka li banda, ko kansate, so ki ka ba tout yo, se ke conducteur a zan a erreur. So ko katisi plaso e sengela ki prevé o katisate, kende li kolo autoroute yo katisa ba bouma okende pamba. Okende pamba. A la limite yondo ko yiko futa même. Moutou ka wana so e zagi nassurance, so ke zui problème. Tout ça la désordre moko exagéré. Batu bazo tonga place balingi, batu bazo tambola nenge balingi, so wali ba teke bango nazo lukela bana mbongo ya classe. Boko so lukela bana mbongo ya classe. Ndio kocha zando na mutuna ngai. Ndio kocha restaurant na zolo na ngapo so lukela bana classe. Bana fuba tanga. Tokufuta ndaku ndenge ni. Mezo kufuta ndaku lukala ndenge na yo. Me landa pe mobeko ya l'état. L'état koto démissionnaire batu pe. Batu ba perdre même sens ya kuvanda. Moni batu bazo tambola na sa. Donc moko batu bazo tambola lokola pantalon na sima mabe. Batu azo tambo la chemise, ma sima mabe. Batye ba bouton na sima me koto eza. Et c'est le contraire. Quel raisonnement? Okoma na 7e rue en bouteillage, bazo zo katre ndenge ba lingi tout ça. Le na moni roulage azo nyo kwa manatongo, pwa benga na batu na 7e rue. Soko landeli bien seke mokondimo azo ou talibanda zo ya. Mboka mobimba pwe koma propre fo papa ya. So yi papa ete za salite. Papi ya kaka mingi. Ya kaka mingi. En image, on se retrouve après. À 6 mois de échéances électorales prévues en décembre prochain, le parti politique Alliance pour le Changement, parti cher au député national Jean-Marc Kabound, réaffirme et confirme sa participation aux dites élections. Une décision prise lors d'un point de presse tenu ce mardi 4 juillet au sein de leur siège. Ayant un regard négatif sur le bilan de Félix Tshisekedi au pouvoir, Béli Moutono Chabou, secrétaire général de cette formation politique, dénonce le manœuvre mise en place par le régime actuel dans le but d'écarter certains partis politiques et challengers de taille qui sont un obstacle pour la réélection de Félix Tshisekedi. Comme nous le savons tous, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va organiser les élections générales à la date du 20 décembre 2023.
La note pour le changement dénonce et condamne une discrimination voulue et exécutée par les tenants de ce régime qui veulent à tout prix écarter tout potentiel adversaire au parti politique afin d'orchestrer tranquillement la tenue des élections bâclées contre la volonté souveraine du peuple. Mécontent de l'omission de leur formation politique sur la liste réprenant tout le parti politique évrant en RDC par le ministère de l'Intérieur, Béli Moutono Chabou accuse le pouvoir en place d'une tentative d'exclure l'Alliance pour le changement aux élections de 2023. D'après le ministère de l'Intérieur, une note de perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 dollars américains dans le compte du trésor public à travers la rebanque. En outre, une autre somme d'environ 5 000 dollars américains avait été dépensée pour les formalités administratives au service de ce ministère. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Confirmant sa participation aux élections, l'Alliance pour le changement appelle les citoyens congolais à s'impliquer activement pour le bon atterrissage du processus électoral prévu pour le mois de décembre 2023. Malgré que le gouvernement congolais a décidé de mettre en place des passerelles sur le long du boulevard Lumumba dans la capitale Kinshasa, les passagers refusent d'en faire usage malgré tous les risques possibles de traverser au rez-de-chaussée et de se faire cogner par une voiture car à ce jour, ces lieux sont devenus un dépotoir des immondices et des marchés pirates. Cela provoque également l'insécurité. À cet effet, quelques Kinois rencontrés sur place invitent les autorités compétentes de prendre leurs responsabilités afin d'évacuer tous ceux-là qui en font une demeure et lutter contre l'insécurité à cet endroit. D'autres, par contre, avancent comme raison la distance kilométrique de cet édifice. Voilà pourquoi ils préfèrent traverser sur les rez-de-chaussée. Le passerelle a une grande importance pour nous sécuriser face aux accidents. Mais il y a un problème. Je dirais que chacun de nous a sa raison valable et qu'il ne veut pas passer par le passerelle. Mais quant à moi, je constate qu'il y avait des moments où nous avions constaté quelques dégâts contre les élèves, c'est-à-dire les petits-enfants. Des fois, ils montent dans les passerelles. Vous voyez, il y a un endroit qui est un peu caché. Pour l'État, il croyait qu'il a mis ça pour la sécurité, pour qu'un enfant ou bien un adulte ne puisse pas tomber. Mais cela avait causé aussi des petits crimes où on prenez les objets des enfants, on menaçait d'autres personnes là-dessus. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, beaucoup d'entre nous préfèrent mieux passer par ces risques que de passer de l'autre côté. Les autres saluent cette initiative, étant donné que cela évite les accidents et leurs souhaits les plus ardents restent la sécurité de ces lieux. Signalant que le gouvernement congolais a tout mis en œuvre pour installer des passerelles afin de faciliter la traversée des piétons et d'offrir la sécurité à la population. Allez, on va terminer avec Ghislain Mwangi. La dernière question, c'était autour de Jean-Marc Kabound. Où en sommes-nous avec les dossiers? Kabound a vendu la prison à Zovan de la Nini. Et si Bassambissi, dossier à fond, liberté provisoire rejetée. Quelle est la suite? Finalement, Kabound a choisi la prison comme son adresse habituelle. Désormais. Sango pour la question, Wana. N'a qu'à l'issue qu'on peut s'appeler moins temps pour la Bilili Haute, Mela Kibino, pour la. Bah, tout bas, on a parti à Alliance pour le changement, le Lengazali est implanté dans ma province. Ça sera en conclusion. Voilà. Terminons avec Kabound. Nao, Tuni, président national. Seulement. Nao, Tali, président national. Tokotika, ko, Tali, Sabana, Mokate, que nous sommes dans un procès politique. Un procès d'acharnement.
et le président Jamar Kabunda Kabunda et si Kazali na makala Azali détenu té Azali peut prisonnier té pour bâtir quelque condamné été détenu Azali moto bazu babombi pour azela procès prisonnier Azali peut moto oyo basi ba condamné Azali ko purger peine naye mais le président Kabunda na makala Azali ni prisonnier encore moins détenu pourquoi parce que décision asuka oyo justice azwa ki na mboka na biso na dossier président Jamar Kabunda Kabunda Ezali, na niveau cour de cassation, oyo bazwaki ordonnance d'assignation à résidence surveillée. Na oyo elandi loi relative à procédure devant la cour de cassation. Article 76. Malheureusement, ordonnance wana, décision en juridiction à l'ikolo yambo kalabiso. Ezali bloqué. Mouton bloqué yango. To yébite parce que normalement, to sengi plusieurs fois procureur général près la cour de cassation. Atali Sabiso, pourquoi il n'exécute pas ça? Mais aujourd'hui, nous allons à plus de 10 mois, 11 mois. Il y a décision en Aïssé Zomaki. Ça veut dire qu'il y a un oui sous roche encore. Nous dénonçons la main noire. Nous dénonçons les officines politiques. Nous dénonçons les influences du pouvoir en place. D'où même, nous fixons souvent l'instrumentalisation de la justice. Président de la République Néo Lobiawa. À outre qu'on s'est livré dans un exercice, bien sûr, avec porte-parole Naye, ce qui semble être donc un monologue. Mais à l'obi, il y a un monologue ou un alobi que Azali aurait connaître échec dans le domaine de la justice. Mais le dossier président Jamar Kabunda Kabunda est un cas d'école. Il y a violation à la procédure devant la justice. Il y a violation à la loi. Il y a violation à la constitution. Il y a prise en otage parce que Naye bité Nambo Kanabiso. Ce qui babon barabatou na prison rarabongo, malgré que justice assied à pression ordonnance. Ça veut dire que l'ordonnance, il y a juridiction, il y a cour de cassation, et ça n'a pas la pouvoirté. Échec de la justice, Torolobanine. Bah, politicien, les lobbyistes, nous avons la facilité là, de quand ça ne marche pas, ils allaient faute, il y a un policier. Ils allaient faute, il y a justice, il y a un magistrat. Non. Nous, politiciens, le problème est à culpa du chef de l'État en tant que magistrat suprême, devrait d'abord commencer par lui. Le mea culpa, c'est d'abord nous, les acteurs politiques, surtout eux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour que lorsque le magistrat a rendu une décision conforme à la loi et que celle-ci ne soit pas exécutée? Bon sang, nous sommes dans quelle république, Sango? Alors, dossier président Kabunda, bah ordonné à cette soirée à surveiller. Obstruction, non exécutée, t'il est l'eau. Azan Namakala, pas comme prisonnier ou détenu, mais Azan Namakala comme un otage politique. Donc c'est le Kabunda Azan détenu injustement. Azan otage politique, Azan détenité. Le président Kabunda Azan otage politique. Parce que détention, ils allaient décider. Otage politique, il y a nani. Il y a pouvoir en place. Tu sais qu'il y a titre personnel, lobby, à Tikala qu'on s'implique ni de près ou de non, mais Kolobana Kosala, nous regardons ça les problèmes. Ici, je ne veux pas entrer dans la polémique moko individuelle. Vous ne croyez pas à la bonne foi du chef de l'État? Non, je ne veux pas. À sa sincérité? Non, le chef de l'État n'est pas appelé à montrer sa bonne foi et sa sincérité dans la sortie médiatique ou bien dans la promesse. Le chef de l'État a le devoir de respecter la loi d'abord de la République. N'est-ce pas prêter serment wana. Je jure de faire observer la loi de la République et tout ça de veiller au bon fonctionnement. C'est ça les devoirs du chef de l'État, ce sont des devoirs sacrés. Le chef de l'État a encore le devoir qui est un devoir historique, qu'obandana n'enga salaki campagne naye que nako bongi saboye nako salaboye. D'ici la fin de mon mandat, nous ferons l'Allemagne de l'Afrique. Ça, c'est maintenant le devoir. En termes, il y a engagement naye. Aza la devoir, il y a koko qui s'en n'enga la kaki la peuple. Ça, ce sont les devoirs. Les devoirs de gentillesse, de sincérité, oui, mais dans l'action qui est vérifiable. Mais ceux qui totali, quand le président lui-même fait un aveu d'échec, il dit, dans le domaine de la justice, c'est un échec. Le président de l'Afrique a dit ça lui-même, Sangolinga Lobanini. Preuve yangoyo, cas d'école, dossier honorable Jamar Kabunda Kabunda, pris en otage par les pouvoirs en place, décision en justice, ils allaient rendu, ils non exécuté. Au lieu de charger comme magistrat, le rôle du président lobby, n'a regret dans le domaine de la justice, n'a serré dans le magistrat, basse à la justice, n'est lobby. Mais, tant au cours de cassation, il rendrait assignation à résidence surveillée à président Kabunda, et ça, il n'est que lobby. Mais est-ce qu'on a exécuté ça? Pourquoi on n'exécute pas? Pris en otage par les pouvoirs en place, c'est le cas du président Kabunda aujourd'hui. Donc, quand il y a une cour constitutionnelle, tu soulèves qui inconstitutionnalité dans le dossier du président Jean-Marc. Parce que, infraction, il y a une infraction, il y a un procureur général pré-cour de cassation. Il y a une autorisation de l'Assemblée nationale, il y a une mitano. Mais, quand il y a un président Kabunda devant un juge, il y a 12 infractions.
Il a violé l'autorisation de poursuite. Il y a eu inconstitutionnalité. Mais tu as mis en haut devant cour constitutionnelle. Et là, vous allez clair. Oh, bah, la question, vous allez 5, vous allez 12. Maintenant, tu as mis dans la cour constitutionnelle. Il y a eu encore des présentaires politiques. On nous a rendu un arrêt qui dit, après avoir pris beaucoup de mois d'air pour nous se prononcer, balobino, requête nabino, ils allaient recevable, mais non fondée. Mais dites-nous, 5 contre 12 états non fondés. L'état des droits est mis à l'épreuve par le procès Jamar Kabunda Kabound et tant d'autres procès politiques. L'état des droits connaît sa négation avec le pouvoir actuel. L'état des droits est resté aujourd'hui un simple slogan. Ça, le chef de l'État a reconnu. Oui, comme le chef de l'État l'a reconnu. Il a reconnu qu'il est magistrat. Il a expliqué bien. Oui, non, il a expliqué. Il a sa bonne foi. Mais non, il a fait. Pour moi, je peux dire que. Kanina Ponce Pilate. Au Soro, il m'a beaucoup. Mais au Bébé Barbomayesu. Ce que le président Yébi Yassolo, chef de l'État. Que le problème est dans la justice. Le Kola Tolobi, depuis des années, nous parlons sur tous les médias du Congo. Je ne veux pas dire quoi pour mettre la justice, le chef de l'État doit libérer tout le monde. Non, le chef de l'État est le magistrat suprême. Il y a séparation. Séparation des pouvoirs, mais il est le magistrat suprême. Et il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Ah, mais cela ne veut pas dire qu'il va violer. Non, il ne viole rien. Ah. Il a le pouvoir de demander à la justice, notamment à la procureur généraux, n'a pas président à ma juridiction pour envoyer Bissabango pour exécuter ordonnance parce qu'il y a une décision d'Abino. C'est son pouvoir. Il ne peut pas influencer. Il est garant. Oyebi, il ne peut pas influencer. Non, influencer, c'est par rapport à la décision. Tant que besoin qu'il y a ordonnance, il n'avait pas influencé. Alors, quand il y a un blocage et que nous décrions, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le magistrat suprême. Alors, apparemment, tout le monde est prisonnier politique, tout le monde est au cachot parce que Tshisekedi a décidé. Non, moi, je ne parle pas de tout le monde. Parce que Tshisekedi doit maintenant s'impliquer pour libérer tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. L'appareil judiciaire, ou anéko minéro, m'appare. Sango, Yemoko a jeté responsabilité dans ma magistrat, chose que moi, je remets encore en question. Alors, mais il faut aller voir les magistrats. La responsabilité. Il faut s'attaquer aux magistrats. Non, mais écoutez, non, je refuse ça. Moi, je refuse. Alors, mais pourquoi s'attaquer? Pourquoi s'attaquer à Tshisekedi? Pourquoi s'attaquer à Tshisekedi? Parce que par rapport à cette question, tous à la claire, mais Nandeko Gislain, vous apportez parole, mais vous appelez à Mobeko. Vous appelez à Mobeko. Tshisekedi, le coup, la chef d'État. Vous avez une séparation à pouvoir. Principe, vous avez la violette parce que vous avez la kaya kabound. Le principe, toke malembe, la lobby. Mais anomaka magistrat, cela ne veut pas dire qu'à Gouib, sa magistrat, ni nous, ça là. Il a un cabinet, le cabinet du chef de l'État a plusieurs services. Au Bazali Kosumbaye, au Baye Baké, dysfonctionnel, c'est au Tanawapi, Nawapi, Bazali a droit à Kosenga par rapport à conseil supérieur à la magistrature, Bazali a droit à Kouyeba, et puis quand dans le cas, il y a ma compromission ou bien il y a dysfonctionnement de justice. Sanctionner. Là-bas, on a sanctionné les magistrats, révoquer certains, suspendre, recadrer les choses. Ce sont les attributions du chef de l'État. Mais écoutez, il n'a pas vocation à se plaindre ou à faire les Ponce Pilate. Je vous le conseille. Moi, je vous le conseille. C'est-à-dire ici, Bissona Bino, et là, tout ça, vous le bizarre l'engagement. Le chef de l'État ne peut pas être plaintif. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Le chef ne peut pas être plaintif, n'a place au yéfois ou à décision. Deuxième, le chef a se plaindre par rapport à justice à Monique, ni on soit espéré qui, parce que l'UDP, ça fait 37 ans en opposition. À Bundelaka, état des droits. Donc, l'UDP, c'est état des droits, il fallait être dada, parce qu'il y a 37 ans, il maki, il fallait s'il en a un. Mais ce qui a échoué, il y a 37 ans, qu'est-ce qui va rester maintenant, ou qu'en est-il avec Babilo Koyo? Il y a un programme, n'a été. Alors que 37 ans, il y a un champ de bataille. Il y a lieu de se poser la question. À ce stade ici, le président ne va pas donner des ordres. Naba magistrat Bokanga Moutou. Seule possibilité à président. Nous n'avons pas non plus intervenir, s'il vous plaît. Seule possibilité à président pour intervenir, c'est lorsqu'il a signé ba ordonnance ba grâce présidentielle. Oye bien, madame. Ce que le président a signé ba grâce présidentielle, a zana moya koloba, parce qu'il a sali chèque blanc pour permettre à magistrat Bachaba Kombo Ezalel. Naka elelo. Parce que chef de l'État, yo moko lobi ango lokwa Ponce Pilate, a sokoli maboko na dossier à Kabunda, lobi ya tinda bakanga Kabunda te. A se mixape na kaza. Alo, 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 bongo. Mais quand il parle, Nazagi n'a dossier mon côté. Je prends un exemple de Kabound parce qu'il lui dit. Ah, yon de l'exemple. Nazagi, exemple à Kabound. N'a cause au père à Salomon. N'a cause au père à Moukebaï. N'a cause au père à Jimmy ou à Zalilo déjà libre. N'a cause au père à Barnabé ou à Zanakati à prison. Baka, ils ont les gens à bateau toko tang. Alors, si koto le baké, tu sais que dans le lobby, yé moutakangi sa moutouté. Alors que, bah, dossier n'y a ce légara, bah, lobby, que, bah, toi, prisonnier à Tshisekedi, tu sais que moutakangi si bon. Yamon a lobby. Quand je dis qu'il faut s'attaquer aux magistrats, ça ne veut pas dire qu'il faut attaquer les magistrats. C'est-à-dire qu'il faut revenir par rapport à la procédure. C'est-à-dire que magistrat, il y a un texte, l'Ikolo et Bengibiso. Ah, l'Ikolo, et bien le côté. Alors que le texte,
les règlements d'ordre intérieur. Tout ce que nous avons fait, nous avons respecté la procédure. Mais pourquoi vous ne libérez pas Kabound? Vous comprenez? Ça dit, si Tshisekedi, ce qu'il a dit est vrai, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous cacher derrière Tshisekedi, alors que Tshisekedi prétend être innocent. Alors, du coup, il faudra faire quoi? Il faudra libérer. C'est la moindre des choses. Il faudra libérer. Donc, moi, je suis en train de voir les choses de cette manière-là. Sauf que Tshisekedi a lobby, président de la République, il n'y est pour rien. Il n'a aucune implication dans cette histoire. Badir, Doua et Salami, c'est là. Moto va condamner ceux qui sont solo. Mais Moto pas innocent, il faut qu'on les libère. C'est-à-dire que je veux dire, il faut recourir au magistrat. Bon, Sango, je m'interdis personnellement d'entrer en interaction, en contradiction individuelle avec les chefs de l'État. En tant qu'acteur politique, Nazali, que ça l'analyse et puis que répliquer comme un opposant, Naoyo Tozali, que faisait comme comportement, il y a homme d'État, comportement, il y a institution. Le chef de l'État est une institution. Il n'y a pas de contradiction individuelle. Moi, je parle à l'institution. Cette institution a des pouvoirs suprêmes, comme magistrat suprême. C'est pourquoi c'est lui qui nomme et révoque. Cette institution, le président de la République, a le pouvoir sur son gouvernement. Et que, de manière courante dans la gestion de la République, il peut donner des instructions, il peut recommander au gouvernement d'éveiller au bon fonctionnement des institutions de la République, notamment de la magistrature, des services publics de l'État, de l'armée et de la police. Nous ne pouvons pas lui accorder un confessionnal. Hein? Le rôle à Salakina, porte-parole, à l'église confessionnelle, Malamoko, à l'étolimissi, Masumu, Mayo. Non. Le responsable de tous les dysfonctionnements, c'est l'institution présidente de la République. C'est lui qui est le patron. C'est lui qui répond de son quinquennat. Et nous avons dit cela. Avec le président Jamal Kabunda Kabunda, nous lançons une formation politique. Au regard du discours, il y a les 18 juillet. C'est une décision, c'est un parti de la rupture. La rupture avec la gouvernance. La gouvernance actuelle, nous sommes en rupture. Et nous avons évoqué beaucoup de cas, notamment même des dossiers judiciaires. Et nous, aujourd'hui, nous sommes devenus un cas d'école. Il y a dossier judiciaire avec le président Jamal. Nous disons la même chose, on va terminer. Non, je vais conclure pour dire ceci. Je ne veux pas ici devenir le conseiller en matière juridique du président, mais j'aimerais seulement nous demander tous, Yozali Sango, malgré ma magistrat le baraté, Totiki, Bele Kamowana, Toki Totali Kar, dans le respect à la loi. Pour le lendemain, il a dit ma partie politique, il a écouté ma dossier à présenter. Tant on a joué au téléphone, ministre Asselo, ministre Kazadi, tous 20 PM de l'intérieur sont passés. Nous avons des preuves. On a encore violé la loi. Est-ce que là, au Rolo Bakesa, ma magistrat doit violer en haut? Ce sont les acteurs de ces régimes. Ça veut dire que quelque part, Bangonde Sengelaki va impulser état de droit. Bangonde Sengelaki va exécuter programme d'action na Bango. Bangonde Sengelaki va imposer vision na Bango, na système ya gouvernance ya Mboka na biso. C'est un échec et ce discours est un aveu d'échec. C'est-à-dire, moi, je vous donne la facilité, le couloir aujourd'hui, où il faut permettre un carbone de toi, parce qu'il y a des prisonniers personnels, il y a pouvoir. Nassi na loba gaza otage politique. Nenge olingi. Passez-moi à nani expression, wana. Ce qui olingi za nenge wana. Mais nga na lobi noke couloir yango pena na tandi ya tapis ya rouge na tandi libino na lokumu soki Tshisekedi di président de la République a lobi ke ye atikala ko s'impliquer te na dossier moko ya arrestation to ya libération ya mutu alors que Kabunda zo vanda na kati ya prison bozo e baba contour ya arrestation na été bato balingaki ba kosa ke likolo nde pesa ki biso ordre likolo e lobi na ye bien lokote on suppose que Katou Kabunda doit sortir. Si Kabound ne sort pas parce que tout est normal, parce que ça reste, ce qui est chef de l'État, lobby, dans une implication, est-ce que Kabound a droit? Oui, s'il a droit, pourquoi on n'exécute pas? Si on n'exécute pas, il y a l'anguille sur roche. C'est pour tirer les choses au clair. Il faut que ça soit la justice. N'importe parole naïe. Et c'est grâce à Bilonyoso. Bilonyoso, ma presse comme ça, yo sango, on regarde tout la chef de l'État. Le roi, la roi, tu sais, qu'on kangisa moutouté, qu'on libéré ses moutouté. Si on regarde ça, on a tout mis tout na oyo, bomba yango, moko le chef de l'État, qu'on sa la pointe de presse,
conférence de presse, ou on y ma presse libre, indépendante, basala, n'a rosé la vraiment, et ça la sang, on te retourne à ma question. Très bien, tu retard là, parce que jour où on est aux années combat, David n'a goûté. Bon abisso, Azali, otage politique, y a pouvoir. N'a ébité, n'a ébité, n'a bambodio, n'a zanangwa, au sali herero, benga, n'a moins mission, tenga. Mais, oh yo, kolo, ben, mais bisso le rôle à partie. Bisso le rôle à partie sango, n'a ou étali dossier à présent à Kaboun, toujours au sal à ma plaidoyer, toujours au sal à ma marche, et puis je vous annonce que, ce vendredi, 14 juillet, Ligue de Gênes y a parti Nabisso et Kamami na camarade président parfait Zola. Bakosa la disous City ni ami balé. Po basala ki City ni y a deux semaines. Bakosa la City ni musous y a mis balé. Le rôle la président lobby gazali justice. Ne zali ko kanga batu. Yango ne kangi président Kaboun. Bakosa la City devant cour de cassation, paix devant parquet général, près la cour de cassation. Po na kosenga la bango ba libérer président Jama Kabunda Kaboun Azali. Donc otage politique il y a pouvoir bah libéré pour justice assis à rendre ordonnance il y a assignation à résidence surveillée Ligue de Gênes Nabisso et côté les mobiles wana pour n'arrosser la citine et puis comme ma mémo et pas y a est-ce qu'il y a beaucoup déjà ville bah si ma komaki na yebite pour na copine en bangote bah tina nga mokanda wana lobby très bien ils ont déjà les accès de réception en tête de ville il faut rester dans parquet, le critère pour ne pas se victimiser pour rien ouais ouais ils ont déjà tout fait allez très la bien la procédure a été déjà respectée merci ils tiendront les citines votre dernier mot pour la mokolo mwalelo, n'a qu'aussi cette émission pour la koye bisabana mokabaye bakke, parti alliance pour le changement, ils allient parti n'est à rupture, ils allient offre politique, oyo, initié par le président Jean-Marc Kaboun da Kaboun, oyo aussi, a étudié ba erreur, n'a ba faille, y a gouvernance, y a régime en place, oyo a mené combat pendant des années, n'a pemen y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, a yebi mission, oh, bah, pesar étant, bah, tcharaye, mon konzia, y de pes, y'a moi, monique, mission, ils allaient louper, ils allaient échouer, mission, y'a comme ma changement, y'a comme un bon wana na mboka, bato bati ka kola nenga, bana kole la kala, et l'homme a commis kole la kole kana kala, président Kaboun dans l'hôpital, ça, la partie alliance pour le changement, bana mboka, baya et belé, toko ta la partie wana, nenga na bili le bokosi, salam bro la ki sa, roman la ke, déjà dans ma province, nyonso, bana mboka, bazan la katia koya, na maïndombe, na, katanga, na kisangani bukavu, partout na kolozi baza na kati ya kokota na kati ya parti na biso pona koya kobundana biso et tumbawana toko changer makambu eloko aliboso ezali na voix des urnes tolobi toza ba rebelte nous avons constitué un parti politique potoke ne maponami notre parti a été légalement constitué régulièrement enregistré et sengeli ba établir biso na ba droit na biso le parti pour respecter représenté quand même l'étendue du territoire sur l'étendue du territoire national sango kobanda awana Kinshasa. Toutes les cadres fédérations, ceux qui ont longo wana, ok, il n'a pas province, nyonso, yaminene, nous avons nos fédérations avec des infrastructures. Contrairement, il y a pas parti, nous même les partis au pouvoir ne peuvent pas avoir les infrastructures, il y a dimension, il y a parti alliance pour le changement. Nous sommes un parti sérieux, légalement constitué, règlement enregistré et totalement ou carrément suffisamment implanté au travers le pays. Et nous avons des fédérations de l'extérieur à travers la grande diaspora congolaise. Donc, notre parti va aller aux élections. Pour Bissot, Toboy, Koko, Tanagir, Yakenon, élections, quel que soit ma préalable, on est opposition totale ici. Mais ceux qui pouvoir en place, Azali Koto Saté, Bissot, Tolobi, toujours préparé un électeur, peuple congolais, la vigilance. Toroken des élections. Avec le président Jama Kaboun da Kaboun comme candidat, président de la République, candidat du changement, n'a pas candidat député national, n'a provincial, n'a bisso, mais t'auras voté, en même temps, t'auras veillé, n'a pas bureau de vote, pour le résultat, et à la solo au peuple congolais, à sanctionner, n'a pas régime maître Ghislain Mwandji, porte-parole de l'Alliance pour les changements. Bozala qui est belé pour la première partie, on va souffler pour revenir pour la deuxième partie. Nazo tuna mituna, il est autorisé, c'est vraiment libre à tout Congolais de réfléchir à haute voix. Mokonzi Mboka Lobaki, l'actualité politique et Zolobama, toko kipe kotou na ba mituna. Yo kotou na nga to sango pe sa réponse te. O sango siko ndenge yo zomo na se te, kotou na nga ite, yo pe yoko kiko répondre. Koti ke langa charge à correspondre te, yo pe oza Congolais, tu peux réfléchir au même titre. Il y a deux choses, moi en tant que journaliste, je peux réfléchir. En tant que moto-investigation, n'a quoi même un élément de plus. Ça, ce qui est normal, les a travaillé, trop ça, la fuite en avance. Mais il y a des questions, c'est à nous. On a quoi qu'on booste dans l'opinion pour que nous puissions répondre. On a la tenue claire. Le chef de l'État, il est moko na quatrième mission. Il a les questions, il y a Congolais, moko atunaki à travers Tina Salam. Bien que là, le format, au bango basa la ki yango, un bon nombre de Congolais pensent que le format là, ils ont vraiment approprié pour Bassala.
Mais ici, toujours continuer avec Tina Salama, avec Ebisabiso, motivation, le style, la stratégie pour que nous puissions comprendre. Parce que, tu as le chef de l'État, le bigam balamo, quoi, bando, le babam balébélé, n'a style, ou y a tia, tout n'a pas question, et pas un chef de l'État. Et gozala, et le comment, bah, ça, l'angoisse en permanence, il faut qu'il vienne nous expliquer. Ça, on en a besoin. Mais, mon konziambo, quand on a bako, le banan, le bimou, abilo, quoi, bélé. L'ikabou, y a justice, à se féliciter pour la gratuité, pour na eza parmi, bah, point na effort, y a bilan, na c'est la gratuité. Bino population Bozolanda, vous avez aussi un point de vue à émettre par rapport à la gratuité. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes de même, vous parlez le même langage avec le chef de l'État à ce qui concerne la gratuité? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons évaluer le bilan Tshisekedi du côté à gratuité, un bilan satisfaisant? Est-ce que vous êtes en accord avec lui? Le clavier est là, Bino Boko, qui peut répondre à cette question? Deuxième question, quand Tshisekedi dit la guerre, il y a Rwanda, Zako Sala, Nenge, Zako Bundelawan, avec la diplomatie agissante, ma négociation et le reste, mais qu'on sait la fermeture, il y a frontière, et puis qu'on rompre, bah, collaboration diplomatique, au Tosa, l'ango, l'élo, pour la Tshisekedi, à qu'on sait l'ango, t'es dans un premier temps. La guerre, elle est-elle amicale, Nenge, Bitakuira, Lobaki, Ezali, fuite à responsabilité, ou c'est une haute stratégie du chef de l'État pour résoudre cette question avec le temps? C'est à vous de répondre, mon gars, la question, n'est-ce pas, qu'on a l'écho. Il y a mis ça tout. Mon kondiambo, kalobeli, makambouya justice. Alobi, que makambouya justice, azali, tellement mécontent, azana, regret à ma casse, na makambouya. Mon kondiambo, kalobi, yé, moko, au-delà, y a bilan négatif. Nano, à kota dossier, mon côté, que bakangi, moutou, chef de l'État, bengito, a instruit le moutou, batika moutou, nano, à kota, na katite. Nanu pe ape sanze la teke baka nga mutu. Do bato balo baka likolo e bengi. Likolo ango eza la kawapi. Lo le fungwa minanu te likolo e bengi eza kanani. Mokonzambo ka di ina jamais été impliqué. Si nous devons croire à la bonne foi, la sincérité du chef de l'État, admettons ça comme ça. Tozo ango bongo. Tata lobi genga mutu na sala kielo kwa na te pe natika la kosa la te. Bo bato nyon so bako sa gana kumbwa mokonzambo ka. Kabund. Il ne suffit pas seulement olo bake loko la tiseke di a lobi. Qui a côté à côté, c'est que Kabunda a raison. Non. Cela veut dire qu'aucune influence est dans la colère à magistrat. Ce qui Kabunda a raison, c'est que Kazon a raison. Ce qui a raison pour quelque chose, c'est que Yokana, c'est que Kazon a reproché. De même pour Salomon, pour Frank Diongo, pour Mukebay, pour Barnabé, qui a sali 2 ans en prison, ainsi de suite, Baka et Zali et Pélé à Bato Bakangam. Donc, et Sengeli, te babomba moutou en attendant à Baimer et à moutou. Mais Basambi, ça y est. Bala qui sait que obungi na mibeko oza condamné te c'est makosa mbisayo to comprendre que zala ki mala mote to leki si otan po cour ces pays au moment de la cour pénale internationale et leki sa bemba 10 ans ta et leki sa 10 ans na suka bazanga ki de sincérité ko se bemba limbisa biso ya bemba mbongo to futu ya ngomba leki sa 10 ans place etinda bemba ki ndewe bandeni basala ka peinture ndeni babeta ka scrap. Première partie s'il y a tout à l'heure, deuxième partie zoe. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité, justice. J'ai été touchée dans tout ce qu'il nous a dit parce qu'on avait une mauvaise vision de lui, de sa personne. Les gens nous ont dit les contraires de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et on a remarqué que c'est un homme vraiment très intelligent, c'est un homme avec une vision, et je me dis que si un jour il devenait président de la République, je pense que le Congo sera un pays béni. C'est une personne de discipline, c'est ce qui m'intéresse trop, et parce que moi également, je trouve que c'est une bonne chose. Être discipliné et prôner sur la discipline, le respect des normes, pour moi, c'est très important. C'est l'offre politique du président de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, a trouvé un écho favorable au sein de l'opinion. Olomami, symbole de courage et de détermination. Viva! Sud Kivu, au-delà des attentes.
kuambia kama adresse yetu kutu hapa hapa na tunataka kufungula biro yetu. Ya zaidi nikusema ni salamu ya president national. Mimi nasikia vice president nikia kusema. Et c'est de cette façon que l'ambiance au sein du parti politique Alliance pour le changement, le parti cher à l'honorable Jean-Marc Kabounde à Kabounde. Nord Kivu, Beni Lubero, rien ne nous arrêtera. Ici Kabounde chez lui. Le parti politique dont l'initiateur et le promoteur, le président national, c'est l'honorable Jean-Marc Kabounde. La différence, c'est que notre soutien indéfectible à l'honorable Jean-Marc Kabounde, président national du parti. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboïna Matongé et Zalaté. Notre adresse, A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99. 081 600 8000. Hôtel Saphir. Beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.